Bonjour à toutes et tous, je suis navré de ne pouvoir être parmi vous aujourd'hui à l'occasion du lancement d'Infraalliance, Think et DouTank des opérateurs d'infrastructures. Je tiens à saluer cette démarche qui vise à renforcer notre souveraineté numérique, ses membres fondateurs, Sami Slim, directeur général de Téléhouse France, Franck Simon, président de France 9, Gabriel Chenevoix, directeur général de Terra Alpha, ainsi que l'ensemble des participants. La souveraineté numérique n'est pas une utopie que l'on brandit en étendard pour rassurer nos concitoyens. Depuis 2017, elle devient une réalité. Le président de la République et les gouvernements successifs ont fixé pour objectif de lutter contre les abus des grandes plateformes, de réaffirmer la place de l'État dans la régulation de l'espace numérique et de donner le libre choix aux entreprises de leurs solutions numériques pour une meilleure compétitivité. Ce sont des objectifs que nous portons sans relâche avec nos partenaires européens et qui prendront forme dans les prochaines semaines au Parlement avec le projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique que je porte. Nous voulons renforcer la concurrence, notamment sur le marché du cloud, réduire les coûts pour les entreprises et favoriser l'émergence d'acteurs français. C'est pourquoi, face à ces défis stratégiques, technologiques, tout autant économiques que politiques, nous avons besoin que les acteurs de l'infrastructure prennent toute leur part dans la protection des données personnelles et aide l'état à défendre les intérêts nationaux et européens. Je tiens donc à encourager les cofondateurs et l'ensemble des parties prenantes pour les travaux et les projets à venir et je vous souhaite une excellente matinée pour le lancement d'Infraliance.